En 2019, 149 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint violent. C'est à 16 ans que Marie est tombée entre les griffes d'un jeune homme pervers. Aujourd'hui, à 42 ans, elle se confie dans un livre, « Il me tue cet amour », Mass Auditions. À 16 ans, un avenir sans nuages s'offre à Marie et Thomas. Bons élèves, cultivés, issus d'un milieu aisé, ils semblent à l'abri des dérives de la violence. Mais, impétueux, Thomas veut tout, tout de suite, notamment Marie, parce qu'il se dit fou d'elle. « Cette expression aurait pu m'inquiéter », confie Marie. Mais, comme au cinéma, j'ai vu cela comme une chance, premier cliché. Son amoureux n'hésite pas à lui forcer la main pour dire « je t'aime », faire l'amour, aller chez les parents de l'un et l'autre. Même si Marie n'est pas prête. « Je ne m'opposais pas parce qu'on éduque les filles à être arrangeantes, à éviter les crises d'hystérie », regrette Marie. C'est comme ça que Thomas a fait de moi son pantin, je voulais être gentille, second cliché. Et, surtout, ne pas être quitté, car le couple est un Eldorado et la solitude une tare. Troisième cliché. Les ingrédients de l'engrenage sont là, ceux qui contribuent à enfermer dans la violence conjugale. On compte 142 000 victimes de violence conjugale en 2019, un chiffre en augmentation de 16% malgré les politiques publiques. Marie rappelle que la victime n'a aucune responsabilité dans ce dysfonctionnement. Il n'y a pas un monstre et une victime, mais un bourreau qui sait repérer le terrain qui fait la proie potentielle, puis manier la menace, analyse Marie. L'engrenage continue. Thomas a des réactions de colère imprévisibles, plantant Marie sur place avec ses larmes et ses questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Culpabiliser l'autre est une arme bien connue pour légitimer le mécanisme. Marie, qui travaille depuis à la création d'ateliers de sensibilisation dans les lycées, l'explique bien aujourd'hui, la victime n'a aucune responsabilité dans ce dysfonctionnement. C'est le trop plein d'angoisse qui lui fait préférer les cris et les coups plutôt que les mots. Mais, jeune adulte, je n'avais ni expérience ni expertise psychologique. Marie souffre, tellement rabaissée qu'elle n'a plus la force de partir après 4 mois. Thomas la quitte tout de même, mais pour la garder à disposition en coulisses. Il a décrété qu'il avait droit à d'autres expériences parce que nous étions jeunes. Je n'avais plus le droit de dire que nous étions ensemble, explique Marie. C'est le piège absolu. Comment détecter une victime alors qu'il n'y a plus de couple? L'humiliation va durer 8 ans. Officiellement amis, ils prennent un appartement ensemble à Paris. Tous ont jugé notre amitié exemplaire, alors qu'en réalité, Thomas avait ses aventures dans la chambre d'à côté. Puis, il me retrouvait dans mon lit pour me jurer que j'étais la seule femme de sa vie, la vraie, la mère de ses futurs enfants. Marie souffre, tellement rabaissée qu'elle n'a plus la force de partir. Thomas la trompe devant elle, l'insulte, la frappe. Quand il s'énerve, pour un rien, il la traite de sous-merde, fort de la haute idée de son milieu social cultivé. À la fac, personne ne soupçonne que Marie est agonie d'injures, prend des gifles, sanglote pendant que Thomas fait ouvertement l'amour à une autre. Les coups de Thomas ne laissent aucune trace, à part une fois, ses pratiques sexuelles imposées non plus. On félicite Marie d'être toujours solaire. Un masque, dit Marie. La vérité, c'est qu'en public, je respirais, il ne me salissait pas. Thomas rencontre alors une fille au caractère explosif et parfois violent. Celle-ci va l'entraîner dans une relation conflictuelle et tumultueuse. Cette fille l'a assez occupée pour que s'ouvre une brèche. Marie abandonne alors ses études pour travailler loin du ring qu'est devenu son appartement. Dans la foulée, elle dévoile tout à un cousin, puis à ses parents et au père de Thomas, tous stupéfaits. Mais tous m'ont cru, c'était essentiel. Marie est partie rebâtir sa vie ailleurs, dans une ville où elle ne connaissait personne. Marie est partie rebâtir sa vie ailleurs, dans une ville où elle ne connaissait personne. Il a encore fallu 16 ans, des thérapeutes, de l'écriture, pour reconstruire son identité saccagée.
aujourd'hui. Je suis mariée, j'ai un garçon et une fille adolescents. Je leur répète inlassablement que savoir qui l'on est, ce que l'on vaut, et savoir dire non à ce qui nous blesse ou nous heurte est la priorité absolue de la vie. L'amour, cela vient après. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités Let's Block ADS. Why?